Bienvenue au Centre évangélique Le Rocher ce matin. Je vous invite à reprendre place, à trouver votre place. Et une fois que vous êtes à votre place, je vous invite à vous lever parce qu'on va prier du coup pour toute cette réunion. Et avant de prier, comme vous pouvez le remarquer, on a plusieurs jeunes qui sont avec nous sur l'estrade et qui représentent la classe des collégiens. Parce que comme beaucoup le savent maintenant, le mois de mars est consacré à l'école du dimanche. Et ce dimanche-ci, c'est les collégiens qui sont mis à l'honneur. Et donc du coup, on en a plusieurs qui vont nous accompagner sur toute cette première partie du culte. Donc on va se lever, on va prier que le Seigneur conduise toutes choses, qu'il soit au contrôle de toutes choses et que nous soyons prêts à recevoir tout ce qu'il a pour nous ce matin. Amen. Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions pour cette matinée, Seigneur Père éternel, parce que tu nous as permis d'être en ce lieu ce matin. Seigneur Jésus-Christ, rien n'est acquis, mais tout est grâce. Tu nous permets d'être en ce lieu, Seigneur Père éternel, que nos cœurs soient ouverts, Père éternel, pour recevoir tout ce que tu as pour nous. Seigneur Jésus, sois au contrôle, Seigneur, dirige toutes choses, Père éternel. Si nous sommes là, c'est par toi et pour toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus-Christ. Sois au contrôle, Père éternel. Nous sommes là pour te louer et t'adorer. Seigneur, que ta présence, Papa, Père éternel, prenne toute la place. Seigneur Jésus, sois au centre. Que toute la gloire te revienne. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que toute la gloire te revienne. Amen. Amen. Amen, Église. Du coup, comme je vous disais, on a des collégiens qui se sont portés volontaires. Donc, le premier qui va nous lire la parole, donc je vais vous inviter à prendre vos Bibles dans le passage psaume 71, donc du verset 1 à 8. Et pendant que vous trouvez ce passage, je vais vous introduire nos collégiens. Donc le premier qui va lire, c'est Kenzo, en quatrième, qui va nous lire une première portion de l'écriture. Et ensuite, on aura Eliakim aussi, qui est en quatrième, qui va nous lire une seconde portion de l'écriture. Psaume 71, versets 1 à 4. Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu dans ta justice. Sauve-moi et délivre-moi. Incline vers moi ton oreille et secours-moi. Sois pour moi un rocher qui me serve d'asile, où je puisse toujours me retirer. Tu as résolu de me sauver, car tu es mon rocher et ma forteresse. Mon Dieu, délivre-moi de la main du méchant, de la main de l'homme inique et violent. Psaume 71, versets 5 à 8. Car tu es mon espérance, Seigneur éternel, en toi je me confie dès ma jeunesse, dès le ventre de ma mère je m'appuie sur toi, car tu m'as fait sortir du sein de maternel, tu es sans cesse l'objet de mes louanges, je suis pour plusieurs comme un prodige, et toi tu es mon puissant refuge. Merci Église, vous pouvez reprendre place. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie d'être dans la maison de l'Éternel ce matin? J'ai pas entendu. Est-ce que vous êtes dans la joie d'être dans la maison de l'Éternel ce matin? Alléluia. Ce matin, on veut chanter au sujet d'un Dieu admirable, inébranlable. Son nom surpasse tout autre nom. Amen. Alléluia. Transforme ma l'eau en vin, guéris l'aveugle par ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie. Comme toi, sur ton Dieu admirable,
Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu des miracles, incomparable, oh Dieu. Chantons
des cris de joie. Au fond, lui, un trône de reconnaissance, un valet de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple si bas. Chantons car Dieu est là. Chantons car Dieu est là. Pour ton transcendant, Seigneur, alléluia. Tu es digne, Seigneur Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Restons dans cette atmosphère de louange, d'adoration à notre Dieu. Alléluia. Tu es digne, Seigneur Jésus. Comment expliquer et comment décrire? Que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends, alors entends.
je t'ai. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entre dans mon cœur, si doux comme la pluie, si doux comme la pluie. Les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour, entends le chant d'amour. Je te dis combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur. Mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant acheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire que je merveilleux. Je prendrai mes faibles mots, je prendrai mes faibles mots pour te dire que je merveilleux. Encore une fois, je prendrai mes faibles mots, je prendrai mes faibles mots pour te dire que je merveilleux. Je ne pourrai pas, je ne pourrai pas te dire combien je alors entends mon cœur. Mais je ne pourrai pas, mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Mais je ne pourrai pas, mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Alléluia, alléluia. Est-ce que nous pouvons encore élever le nom du Dieu qui est au-dessus de tous les noms, celui qui a reçu le nom, celui qui est inchangé. Dieu demeure au milieu de la louange de son peuple. Alors est-ce qu'on peut exprimer notre reconnaissance ce matin envers celui qui a tout donné? Merci Seigneur Jésus, merci pour ta présence dans ce lieu. Merci parce que tu ne changes pas. Louange et gloire à ton saint nom. Alléluia. Amen. On va passer aux requêtes de prière. Et ce mois-ci, comme vous le savez ou pas, c'est le mois de mars et il est dédié à l'école du dimanche. Donc nos requêtes seront orientées principalement envers nos enfants. Donc nous allons prier dans un premier temps pour les enfants qui sont victimes d'harcèlement scolaire et de cyberharcèlement, pour la protection de nos enfants, le salut de nos enfants, la guérison, la croissance spirituelle et pour qu'ils puissent manifester le fruit de l'esprit. Le psaume 34:7 nous dit « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend ». Non seulement il entend, mais il les sauve de toute leur détresse. Alors est-ce qu'on peut invoquer le nom du Seigneur en faveur de nos enfants ce matin ?
Seigneur Jésus, Père éternel, toi qui es grand, Seigneur, toi qui es tout puissant, Seigneur, ce matin, je t'invoque pour la vie de chacun des enfants, Seigneur Jésus, des plus petits, Seigneur, aux plus grands, Seigneur, couvre-les de ton amour, Seigneur, remplis-les de ton esprit, du fruit de l'esprit, Seigneur Jésus, que dans leur détresse, Seigneur, tu sois leur refuge, tu sois leur appui, Seigneur, parce que tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô éternel, Seigneur, remplis-les, Seigneur Jésus, de ton esprit, qu'ils puissent te connaître, toi le seul Dieu, le Dieu véritable, mon Dieu, mon roi, qu'en aucun cas qu'ils ne puissent se détourner, Seigneur Jésus, de tes voies, mon Dieu, mon roi, Seigneur, que tu puisses les localiser là où ils sont, Seigneur, chacun d'entre eux, Père éternel, tu les connais personnellement, Seigneur, puisses-tu guérir, puisses-tu fortifier, puisses-tu remplir, Seigneur, leur coupe, mon Dieu, mon roi, parce que le royaume, Seigneur, est pour ceux qui leur ressemblent. Alléluia, Seigneur Jésus. Louange et gloire, Seigneur, à ton saint nom, Père éternel. Est-ce que nous pouvons remercier celui qui a reçu le nom, le Dieu Tout-Puissant, celui qui est rempli de bonté et de miséricorde, celui qu'on appelle fidèle et véritable, mon Dieu. Reçois toute la louange et l'adoration qui t'est due. Amen. Vous pouvez vous asseoir, on va passer aux annonces de la semaine. Alors aujourd'hui à 15h30, nous avons réunion avec Good Seed 21 ici à l'église. Et mardi, la semaine prochaine, à 9h30, il y a réunion de prière des femmes à l'église. Et à 20h, nous avons une étude biblique avec un thème différent aujourd'hui, enfin, mardi. Ce sera être riche en Dieu. Jeudi à 5h du matin, nous avons notre intercession matinale qui se fera sur Zoom. Et samedi, nous avons évangélisation dans la rue qui se déroulera à... J'ai oublié la ville. En tout cas, ça, c'est rendez-vous ici à l'église directement à 10h. À 14h samedi, nous avons la répétition pour ceux qui sont dans la gamme. Ce sera ici à 14h à l'église également. Et dimanche prochain, nous avons notre premier culte à 9h et notre second culte à 11h30 avec les cours d'introduction au centre évangélique Le Rocher. Alors, sur le bulletin que vous avez, ce bulletin que vous avez reçu, vous avez sûrement remarqué qu'il y a également un formulaire avec des requêtes de prière. Comme ça a été précisé, nous sommes dans un mois spécial pour l'école du dimanche. Donc, nous invitons à mettre un repas de côté, de jeûner un repas, afin de prier pour les requêtes qui sont inscrites sur ce livret. Je vais vous inviter à vous lever et à saluer la personne qui est à votre gauche, à votre droite, devant ou derrière vous, à vous souhaiter la bienvenue. Je vais vous inviter à vous asseoir, sauf les personnes qui sont là pour la première fois. Je vous invite à rester debout. Bon, il n'y a pas de nouvelles personnes aujourd'hui, mais soyez bénis et passez un bon culte. Merci. Gloire au Seigneur. Le micro du pasteur doit être allumé tout le temps. Est-ce que je peux avoir un amen? C'est la majorité, j'ai gagné. Gloire au Seigneur. En tout cas, la bienvenue à chacune, à chacun d'entre vous. On est content que vous soyez tous dans la maison du Seigneur aujourd'hui. Et je voudrais vous rappeler que sur l'annonce que l'on a faite concernant la réunion du mardi soir qui arrive ici, nous allons avoir deux études spéciales. Alors, être riche en Dieu, c'est pour que vous ne deveniez pas millionnaire, mais milliardaire. En Christ.
Alors, c'est une étude spéciale qui a affaire à la gestion de votre budget. J'ai demandé à notre sœur Caroline Ward de préparer deux études spéciales pour cela. Donc, je prie que le Seigneur vous mette à cœur de venir un petit peu ce que la Bible nous dit. Comment est-ce que je dois gérer ma vie? Donc, c'est quelque chose qui est très important, surtout dans l'époque où nous sommes aujourd'hui, plus que jamais, où est-ce que nous voulons avoir nos yeux fixés sur le Seigneur Jésus, plus que jamais. Donc, gloire au Seigneur. Dans les requêtes qui sont mentionnées pour nos enfants, j'aimerais que chacune et chacun d'entre vous, vous gardiez vraiment à la pensée vos enfants, vos petits-enfants, plus que jamais, parce que les choses qui sont faites et dites, ici tout à l'heure notre sœur en a mentionné un petit peu, mais ces choses sont réelles, on veut que nos enfants soient bénis, oints, et que les anges du Seigneur les protègent, que le nom du Seigneur Jésus soit sur chacune et chacun de nos enfants, au nom du Seigneur. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Alléluia, que le Seigneur vous bénisse, Église. Et aujourd'hui, comme vous le savez très bien, c'est le mois de mars, et le mois de mars est consacré à l'école du dimanche. Et aujourd'hui, ceux qui sont mis à l'honneur, c'est notre classe des collégiens. Et ils vous ont préparé quelque chose de beau, quelque chose de merveilleux, avec un message qui est très fort. Et nous, ce que nous leur enseignons en classe, c'est que nous les enseignons à connaître leur identité. Parce que le monde essaie de leur coller une étiquette, de leur coller une identité, de définir qui ils sont, mais ce sont des mensonges. Parce que leur identité se trouve en Jésus-Christ. Amen. Et ils ont de la valeur aux yeux de Dieu. Ils sont importants aux yeux de Dieu. Ils sont aimés de Dieu. Ils sont choisis de Dieu. Amen. Et autant que vous et que moi, ils font partie du corps de Christ. Et s'ils font partie du corps de Christ, alors laissez-moi vous dire qu'ils sont importants et qu'ils ont un rôle à jouer dans les temps de la fin. Amen. Et ils sont confrontés à des défis, à des réalités. Et je vais laisser le plasma mettre la vidéo. Je m'appelle Idriss. Je suis un jeune collégien qui doit affronter chaque jour l'angoisse avant même de franchir les portes du collège. Chaque matin, dès que mon réveil sonne, une sensation d'appréhension me serre le cœur. Je sais que derrière ces portes se trouve un environnement où je ne me sens pas en sécurité, où je suis la cible de moqueries, de méchanceté. Alors que je me prépare pour la journée qui m'attend, cette anxiété ne fait que grandir. Je me demande ce qui m'attend aujourd'hui. Quelle nouvelle humiliation je vais devoir affronter? La simple idée de devoir faire face à ces camarades qui semblent tous être complices dans cette dynamique toxique me plonge dans un état de névrosité constant. À mesure que l'heure de partir pour l'école approche, mon estomac se noue davantage. Chaque pas que je fais en direction du collège semble être un pas de plus vers l'inconnu, vers une réalité où je suis vulnérable et sans défense. Je me prépare mentalement pour affronter les moqueries et les humiliations qui ne manqueront pas pendant mon heure de cours. Mes tentatives pour me défendre ou pour demander de l'aide sont souvent accueillies par des regards indifférents ou même des remarques sarcastiques qui ne font que s'ajouter à ma douleur. En classe, c'est comme si j'étais une cible mouvante pour mes camarades. Les boules de papier volent à travers la classe, lancées avec précision pour me toucher, pour me rappeler ma place dans cette hiérarchie cruelle qu'ils ont créée. Chaque fois qu'une de ces boules de papier m'atteint, c'est comme un coup supplémentaire porté à mon estime de moi-même. Pourtant, malgré tout, je m'accroche à l'espoir. Je refuse de laisser le harcèlement me briser complètement. Je garde en tête qu'il y a des gens qui se soucient de moi et des gens qui me soutiennent dans cette épreuve, comme Anaya. Les rires moqueurs résonnent autour de moi et je me sens isolé, impuissant face à cette marée de méchanceté. Épuisé, meurtri par les mots cruels et les regards glacés, je traîne ma peine dans les couloirs, le cœur brisé. Mais voilà Anaya, lumière dans l'obscurité de ma douleur. Sa présence apaise mes tourments, sa compassion est ma meilleure valeur.
Dans ses yeux, je lis la douceur, la tendresse. Elle me tend une Bible, un trésor de réconfort et de foi. Un geste qui touche mon âme, qui éclaire ma nuit noire de désarroi. À travers les pages sacrées, je découvre un refuge, une promesse, un havre de paix dans ce monde où règne parfois la détresse. Dans les couloirs sombres de mon âme tourmentée, je me sentais seul, harcelé, abandonné. Les rires moqueurs, les regards pleins de mépris m'assaillaient sans relâche, me brisant jour après jour. Mais au milieu de cette nuit sans fin, une étoile a brillé. Anaya, compatissante à mon égard, m'a tendu la main, m'a offert bien plus encore. Une Bible, symbole d'amour et de paix. Dans mes mains tremblantes, elle l'a déposée. Et dans ses mots sacrés, j'ai trouvé un refuge, une lumière dans l'ombre, une voie vers le Dieu. Seigneur Jésus-Christ, dans ma détresse profonde, tu m'as trouvé, tu m'as appelé, tu m'as répondu. Aujourd'hui, je me tiens devant toi, humble et reconnaissant, pour déposer mes fardeaux, pour suivre ton chemin ardent. Ô Seigneur, ton amour a changé mon histoire. Je te suis reconnaissant pour ce don précieux, pour ta lumière et ton amour précieux. Dans tes bras, Seigneur Jésus, je trouve la vérité, la force pour affronter chaque obscurité. Je suis libéré de mes chaînes par ta force toute-puissante. Que mon cœur témoigne de ta bonté infinie et que ma vie reflète ta grâce infinie. Seigneur Jésus, je t'offre tout, corps et âme. Grâce à toi, je marche dans la lumière et je le proclame. Je m'appelle Idriss. Je suis un jeune collégien qui doit affronter chaque jour l'angoisse avant même. C'est bim. Le harcèlement. Seigneur Jésus, je t'offre tout, corps et âme. Grâce à toi, je marche dans la lumière et je le proclame. L'ombre sombre du collège, où les murmures résonnent, où les rires moqueurs percent, où les cœurs se brisent en frissonnant. J'ai connu un temps où le harcèlement régnait en maître, où chaque jour était un combat, une lutte sans être. Idriss, tel est mon prénom. Celui qui m'a tourmenté, qui m'a fait pleurer des larmes salées, aujourd'hui dans le tourbillon de la vie, il est lui-même balloté. Les rôles se sont inversés. Le harceleur est devenu harcelé, comme si le destin lui rendait ce qu'il m'avait infligé. Mais étrangement, je ne ressens ni colère, ni rancœur, car je crois en une leçon, en une lueur de douceur. Je sais que dans sa souffrance, il apprendra peut-être que ses actes cruels ont des conséquences qu'il ne peut ignorer. Peut-être que cette expérience le fera réfléchir et qu'il cessera de semer la peine et de faire souffrir. Dans cette danse complexe de la vie, je choisis le pardon, car je crois en la force de l'amour, en sa guérison. Peut-être un jour, nos chemins se croiseront à nouveau, et cette fois, nous pourrons marcher ensemble, main dans la main, vers un avenir plus beau. Dans l'éclat de l'aube, une mélodie s'élève. Un chant d'espoir, de paix, une trêve. Dans le tumulte du monde, une voix résonne. Un murmure divin qui nous étonne. Non au harcèlement, proclame-t-elle avec force. Dans ce ballet d'ombre, cette sombre course. Nous sommes tous différents, uniques, précieux. Tissés par l'amour divin, merveilleux. Le Seigneur Jésus-Christ, doux berger de nos vies, dans sa lumière, nos cœurs ravivent. Il nous aime tel que nous sommes, sans réserve. Dans son regard, chaque être trouve sa réserve.
que nos différences soient des couleurs éclatantes dans ce vaste tableau où l'amour chante. Non au harcèlement, clame-t-on avec foi. Dans cette symphonie, chacun trouve sa voix. Ainsi, dans l'écho de cette vérité divine, nous proclamons avec force et épine, non au harcèlement, oui à l'unité. Car dans la diversité, règne la beauté. Dans Job 5, de 8 à 11, il est dit « Pour moi, j'aurai recours à Dieu, et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. Il répand la pluie sur la terre et envoie l'eau sur les campagnes. Il relève l'humble et délivre l'affligé. » Le livre du psaume chapitre 34 du verset 18 au verset 20, il est écrit que quand les justes crient, l'Éternel entend et les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de donner un avenir et de l'espérance. Il est écrit dans Psaume 23, du verset 4 à 6, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Alléluia. Je vous invite à vous lever. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour tout ce que les enfants ont fait? Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. On aimerait vraiment remercier chaque collégien qui se sont investis, qui se sont impliqués. Et voici le résultat que vous avez vu. Et on aimerait également remercier une autre personne. Il s'agit de notre réalisateur et de notre vidéaste, Xavier Maconta, pour la qualité de la vidéo. On peut également l'applaudir. Alléluia. Et on a vu les défis de nos enfants. On a vu la réalité auquel ils sont confrontés. Mais on a vu que le harcèlement fait énormément de ravages. Mais dans tout ça, il y a un espoir. Dans tout ça, il y a une solution. Et ce nom, c'est Jésus-Christ. Car Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur tous ensemble? Alléluia, merci Seigneur. Je vous invite à reprendre place. On va passer à la suite. Les gars, c'est quoi la CAN? C'est pas la Coupe d'Afrique des Nations?
La Coupe d'Afrique des Nations, moi je pense pas que c'est ça. Vous savez c'est quoi? C'est la Coupe apostolique des Nations. Et vous savez qui ça oppose cette année? Ça oppose les filles. Contre les garçons. Et comme vous le savez tous, depuis 2 années, c'est les filles qui gagnent. Et cette année, les garçons. Et cette année, je compte sur les garçons pour qu'on puisse gagner. Et pour cela, je vais vous donner quelques consignes à suivre. Pour cette année, la boîte bleue sera pour les garçons comme tous les ans. On est bien d'accord? Et la boîte rose sera aussi pour les garçons. Vous êtes sûr? Ça sera pour nous aussi les garçons, la boîte rose. Comme ça, on est sûr de gagner cette année. Donc les filles, mettez dans la boîte bleue, s'il vous plaît. Mais plus sérieusement, les filles, ça sera vous pour la boîte rose. Et pendant qu'on fera tout cela, on va vous donner quelques consignes. Il y aura l'offrande qui sera aussi prise en même temps. C'est pour cela qu'on va demander aux personnes du service d'accueil de s'installer juste devant où vous pourrez apporter vos offrandes. Vos offrandes aussi, vous pourrez les apporter par carte bancaire au fond de l'église. Vous pouvez aussi vous donner pour les pièces jaunes cette année. Et vous aurez aussi, il y aura un circuit à suivre bien précis. Donc s'il vous plaît, aidez-nous. Donc on va inviter Laurent, la rangée qui est à ma droite, de commencer par le fond pour sortir, et la rangée à ma gauche, commencez aussi. Vous commencerez par le fond. Le service d'accueil va vous diriger pour que vous sortez au mieux. Et à la fin, ça sera la rangée centrale. Est-ce que tout le monde a bien compris? Vous êtes sûr? Ok. Donc comme on a dit, la boîte bleue pour les... Et la boîte rose pour les... Ouais, on y va. Tout le monde doit savoir, tout le monde doit savoir, tout le monde doit savoir qui est Jésus. Tout le monde doit savoir, tout le monde doit savoir, tout le monde doit savoir. Chantons tout le monde doit savoir, tout le monde doit savoir, tout le monde doit savoir qui est Jésus. Il est le Père éternel. Il est le Fils bien-aimé. Il est aussi l'Esprit Saint. Tout le monde doit savoir. Tout le monde doit savoir. Tout le monde doit savoir. Tout le monde doit savoir qui est Jésus. Tout le monde doit savoir. Tout le monde doit savoir. Tout le monde doit savoir qui est Jésus. Il est le Père éternel. Il est le Fils bien-aimé. Il est aussi l'Esprit Saint. Tout le monde doit savoir. Il est le Père éternel. Il est le Fils bien-aimé. Il est aussi
l'Esprit Saint. Tout le monde doit savoir. Chantons quel ami fidèle, quel ami fidèle et tendre. Nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre. Répondre à notre cri, il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévère en ses exigences, il est riche en son amour. Quel ami fidèle, quel ami fidèle est en... En nous levant tous ensemble, l'Église, chantons quel ami fidèle. Savons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre. Quand nous sommes en souci, disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ses paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Alléluia, amen. Est-ce que l'Église est dans la joie ce matin? Est-ce que vous êtes dans la joie de connaître le seul et unique Seigneur? Le seul et unique Sauveur, alléluia. Quel ami fidèle et tendre nous avons trouvé en Jésus-Christ. Alléluia, il est fidèle, c'est-à-dire qu'en lui, il n'y a point l'ombre d'une seule variation. Le Dieu que nous lisons dans la Bible, c'est notre Dieu à nous. C'est notre Père à nous, ce Dieu fidèle. Amen. Est-ce qu'on peut encore élever nos voix vers lui ce matin? Amen. Alléluia. On peut encore faire mieux. Nous avons chanté que nous voulons lui donner un palais de louanges. Quelque chose de grand. Alléluia. Amen. Dieu de gloire, sois béni, Seigneur. Seigneur Jésus, sois adoré. Sois exalté aujourd'hui, Seigneur. Car là où deux ou trois sont assemblés, en ton nom, Seigneur, tu es au milieu, Seigneur. Et aujourd'hui, nous sommes plus de deux, plus de trois, Seigneur. Et nous croyons que tu es dans ce lieu, Seigneur. Que tu viennes, Seigneur, par la puissance de ton esprit, Seigneur, nous visiter, Seigneur, parce que nous avons faim et soif de ta présence, Seigneur. Je ne veux pas partir de ce lieu, Seigneur, sans avoir touché le bord de ton vêtement, Seigneur. Je ne peux pas partir de ce lieu, Seigneur, sans avoir expérimenté ta puissance dans l'esprit, Seigneur. Père éternel, je prie, Seigneur, que nos cœurs puissent être ouverts, Seigneur, pour entendre ta parole, Seigneur, pour la comprendre, Père éternel, et pour pouvoir la mettre en pratique, Seigneur. Seigneur, ois ton serviteur, Seigneur, que ta parole puisse être prêchée avec onction et efficacité, Seigneur. Change nos cœurs de pierre en cœurs de chair afin d'être réceptifs à ta parole, Seigneur Jésus. Seigneur, tu connais les cœurs de chaque personne, tu connais leur situation, Seigneur, et ce matin, tu as permis que chacun d'entre nous, nous soyons dans ce lieu pour entendre ta parole, Seigneur. Alors viens, Seigneur, aujourd'hui. Père éternel, nous te remettons toutes choses, Seigneur. Père, je chasse tout esprit de distraction, tout esprit de fatigue dans ce lieu. Je
Je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Que nos pensées soient focalisées vers toi aujourd'hui, Seigneur. À toi revienne la gloire, à toi revient l'honneur, à toi revienne la louange, à toi revienne l'adoration, Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, c'est un privilège pour moi de me tenir ici derrière ce pupitre pour vous apporter la parole. Et je veux remercier mon pasteur et la sœur Novaki pour la confiance qu'il m'accorde ce matin. Je dois vous avouer que je tremble beaucoup ce matin. Et si je pouvais faire demi-tour, bah, je courrais. Mais le Seigneur a permis cela, il connaît toutes choses et je crois que j'ai reçu un message de la part du Seigneur. Jeudi, nous avions la prière et c'est tellement triste de voir si peu de personnes qui étaient là pour intercéder alors que nous vivons dans un monde où notre pays même est... C'est chaud, c'est terrible. Et alors que le pasteur avait posé sa main sur moi, le Seigneur a déposé ce message pour nous, Église, ce matin. Et le titre de mon message aujourd'hui, c'est l'heure de nous réveiller. C'est l'heure de nous réveiller. Alléluia. En prenant vos Bibles avec moi dans le livre de Actes. Alléluia. Au chapitre 20 et au verset 9. Et une seconde lecture dans le livre de Romains au chapitre 13 et au verset 11. Acte 20, au verset 9, nous dit « Or, un jeune homme nommé Éticus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul, entraîné par le sommeil. Il tomba du troisième étage en bas et il fut relevé mort. » Romains 13, au verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin. Enfin. Enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. C'est l'heure de vous réveiller enfin. Je dirais plus, c'est l'heure de nous réveiller. Parce que je m'inclus dedans. C'est l'heure de nous réveiller enfin. L'apôtre Paul assis sur ce mot. C'est l'heure de nous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous. Le salut est plus près de nous, Église de Melun. Plus près de nous. Que lorsque nous avons cru, le Seigneur Jésus revient bientôt. Le salut est plus près de nous. Alléluia. Avant de vous asseoir, tournez-vous vers vos voisins et dites-lui, c'est l'heure de nous réveiller. Alléluia. Et pour comprendre la lecture que nous avons faite dans le livre de Actes, laissez-moi vous donner le contexte. C'est l'apôtre Paul est arrivé dans la ville portuaire de Troas. C'est une ville sur la côte occidentale de la Turquie, lors de son troisième voyage missionnaire. Il était resté là qu'un petit peu de temps. La Bible nous dit qu'il est resté une semaine entière, seulement pendant 7 jours. Et pendant son séjour, nous allons assister à son dernier culte dans l'assemblée de Troas, juste avant son départ pour Assos. C'était la dernière fois que certainement Paul allait se réunir avec les chrétiens de cette ville. Et c'était le premier jour de la semaine. C'était l'heure de l'Église, comme nous aujourd'hui,
où nous sommes tous réunis dans un seul but ce matin, c'est pour adorer le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes réunis ce matin et nous avons chanté et célébré son nom. C'est un moment de joie, un moment de partage. Nous sommes heureux ce matin, n'est-ce pas, d'être ensemble dans la maison du Seigneur. La Bible nous dit qu'ils étaient là dans la chambre haute et il y avait beaucoup de lampes. Et après avoir chanté, célébré, partagé la Sainte Cène, c'était l'heure de la prédication, comme nous maintenant. Et ce jour-là, il y avait un invité spécial qui était venu de très loin pour pouvoir leur apporter la parole. Et cet invité spécial, c'était l'apôtre Paul. Sachant que c'était certainement la dernière fois qu'il allait les voir, la Bible nous dit que Paul avait beaucoup de choses à leur dire. Il avait tellement de choses à leur dire qu'il a prolongé son discours jusqu'à minuit. Est-ce que vous êtes prêts ce matin? J'ai pas eu d'amen. Même moi, je ne sais pas si je vais tenir jusqu'à minuit. L'apôtre, vous savez, ne met aucune réserve à leur annoncer tous les conseils de Dieu. Il est très volontaire, il se dépense, il prend aucun repos, il prêche la parole, il insiste, il convainc, il reprend, il exhorte. Tout ce qu'il avait à donner, il était animé du zèle de l'évangile. Et pourtant, au milieu de ce message si puissant, où certainement il pouvait même avoir la démonstration de l'esprit, la Bible nous dit que malgré ses enseignements, et il y avait un homme qui était là et on ne sait pour quelle raison, il s'est endormi. Éticus était parmi les personnes qui étaient là pour écouter le message que Paul avait. Et la parole ne nous dit pas pourquoi Éticus était accablé par le sommeil. Était-ce dû à la longueur du discours de Paul, à la charge déchargée par les lampes ou la fatigue accumulée dans la journée? Peut-être, c'était peut-être pour toutes ces raisons, mais il me semble qu'on doit être très, très fatigué pour arriver à dormir dans de telles circonstances. On doit être vraiment très fatigué pour s'endormir à l'église. Est-ce qu'il y a des éducus ici ce matin? Vous êtes venu à l'église et vous êtes physiquement présent ici, mais vous vous sentez si fatigué. Et je ne parle pas de la fatigue physique ce matin. Je parle ce matin de la fatigue spirituelle. Souffrez-vous spirituellement de la fatigue? Vous essayez depuis des mois ou même des années de mener une vie de prière conséquente, de lire la Bible systématiquement. Mais bien que vous ayez commencé plusieurs fois à mettre ce temps-là pour Dieu, vous n'arrivez toujours pas. Vous êtes fatigué spirituellement. Vous luttez depuis si longtemps contre le péché. Vous l'avez déjà confessé plus de 100 fois. Vous avez promis à Dieu, vous vous êtes même promis à vous et peut-être à quelqu'un d'autre que vous n'allez plus jamais recommencer. Mais vous retombez à chaque fois. Vous êtes fatigué spirituellement. Vous avez essayé de témoigner le beau nom du Seigneur Jésus-Christ, mais vous avez trop peur. Vous êtes fatigué. Nous sommes fatigués spirituellement. Nous avons essayé d'aller évangéliser, gagner des âmes pour le Seigneur, mais on ne réussit pas. Et au final, nous sommes fatigués spirituellement. Nous sommes spirituellement fatigué, épuisé et vide.
Oh oui, nous venons tous les jours à l'église. Nous assistons encore aux réunions. Nous exerçons encore nos ministères. Mais il n'y a plus d'enthousiasme. Plutôt, nous le faisons par habitude et par obligation. Et ce matin, comme Éticus, nous sommes assis ici, à l'église, en train d'entendre le message. Mais sommes-nous spirituellement en train de dormir? Mes frères et mes sœurs, je suis venu vous dire ce matin, c'est l'heure pour l'église de se réveiller. Vous savez, je dis toujours, Satan ne nous attaque plus directement ni violemment parce que nous allons le reconnaître et nous allons tenir ferme et nous allons lutter. Mais quand il vient, il nous fatigue, il nous épuise et nous ne nous rendons même pas compte de tout ce qui est en train de se passer dans notre vie. La fatigue spirituelle est quelque chose de très dangereux. La fatigue spirituelle commence, en effet, en passant presque inaperçue. Vous savez, c'est juste, vous savez, un jour où je ne vais pas prier, un jour où je ne vais pas lire ma Bible, juste un jour où je ne vais pas assister à la réunion, juste ce petit péché n'est mais qu'une petite fois, juste une fois, mais laissez-moi vous dire, mais une fois engendre facilement deux fois, et deux fois engendre facilement trois fois, et quatre fois, et ainsi de suite. Mais Éphésiens 4, 27 nous dit, ne donnez pas accès au diable. Alléluia. Ne permettez pas au diable de mettre son pied, parce qu'une fois que son pied a mis dans la porte, il creuse une ouverture de plus en plus large. Notre jeune frère Éticus s'est abandonné au sommeil. Il n'entend plus la parole. Il ne chante plus, il ne va plus vers les autres, alléluia, il ne participe plus à la communion fraternelle, il ne donne plus son offrande, ni sa dîme, il remplit simplement une chaise, et puis c'est tout. Oh Éticus, réveille-toi, oh mon frère, ma sœur, réveillons-nous. Quand Éticus est entré dans la selle pour participer à la réunion, vous savez quoi? Il était déjà fatigué. Il n'en pouvait plus à un tel point qu'il s'est assis sur la fenêtre. C'était une place dangereuse, car cette fenêtre, elle était au troisième étage. Un de ses frères n'aurait-il pas pu l'engager à se mettre en sécurité de peur qu'il tombe? Quelle attitude avons-nous lorsque nous voyons un frère ou une sœur assis au bord de la fenêtre et qu'il est prêt à tomber? Sommes-nous comme Caïn qui dit dans Genèse 4:9, suis-je moi le gardien de mon frère? Prenons-nous soin les uns et les autres. Oh Éticus, réveille-toi. Oh frères et sœurs, ce matin, réveillons-nous. Et sans se rendre compte, tellement qu'il était fatigué, tellement qu'Éticus n'en pouvait plus. Et hop, il n'est plus à sa place. Soudainement, il n'y a plus personne à la fenêtre. Plus personne n'est assis. Éticus est tombé par la fenêtre du troisième étage et il est mort. Savez-vous ce qui est encore pire que de dormir dans l'église? Tomber de l'église. Il
a encore un instant, Eutychus était là physiquement, présent dans l'église, bien que spirituellement, il n'était déjà plus là. Mais maintenant, même physiquement, il n'est plus là. Sommeiller dans l'église, je vous le dis, c'est très, 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 très dangereux. Car le sommeil spirituel n'est pas le but final de Satan, c'est simplement le moyen. Son but, ce n'est pas simplement de nous bercer, mais c'est de nous faire tomber. Il ne vise pas le sommeil spirituel, il vise la mort spirituelle. Il nous berce d'abord, mais dès que nous ronflons, il nous fait chuter. Oh, Eutychus, réveille-toi. Oh, mon frère et ma sœur, réveillons-nous. Hébreux 3, 12, 14. Prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Vous savez, le sommeil spirituel ne se présente jamais avec une étiquette de péché. Au contraire, le diable envoie une tentation avec un emballage cadeau. Il ne nous envoie pas des emails pour nous prévenir que le paquet en fait contient des somnifères. Au contraire, le packaging est attrayant. Il nous donne envie de l'ouvrir. Il nous caresse doucement pour nous faire dormir. Oh, tu es fatigué. Tu as besoin de sommeil. Oh, tu sais quoi? Tu as droit au plaisir du monde. Tu sais, Dieu comprend ta situation. Dieu comprend que tu sois lié. Tu sais quoi? D'ailleurs, de toute manière, tu es mieux que les autres. Et en plus, tu sais quoi? Tu n'es pas le seul à faire ça. Vous savez, le sommeil spirituel est comme une drogue qui tue notre enthousiasme pour la prière. Le sommeil spirituel démolit notre intérêt pour la parole de Dieu. Le sommeil spirituel ruine notre amour pour nos frères et nos sœurs. Le sommeil spirituel brise nos relations fraternelles. Le sommeil spirituel brise nos couples. Le sommeil spirituel brise l'avenir de nos enfants et nous détruit de notre engagement dans l'église. Et comme toute drogue qui mène à l'esclavage, le sommeil spirituel se transforme en un coma dont on ne pourra pas se réveiller. Eutychus, réveille-toi. Frères, sœurs, réveillons-nous. Eutychus, tu es tombé du troisième étage en bas. Et qu'est-ce qu'il fallait faire maintenant? Est-ce qu'il fallait l'enterrer? Est-ce là le dernier message que Paul, le dernier culte que Paul allait célébrer? Est-ce qu'il allait, ce culte allait se transformer? On a fui en un funérail. Eutychus est mort. Il ne dormira plus dans l'église. Il a assisté à son dernier culte. Eutychus ne priera plus jamais. Il ne chantera plus jamais. Il a écouté son dernier sermon. Il est tombé très très bas. Mais l'apôtre Paul n'est pas venu pour des obsèques. Il n'est pas venu pour célébrer des funérailles. Il était venu pour annoncer la parole de Dieu. Et la Bible nous dit que Paul est descendu dans la cour et toute l'assemblée est descendue avec lui.
Et Paul, se penchant vers Éticus et le prenant dans ses bras, il dit « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Ne vous troublez pas, car son âme est encore en lui. Et quand il fut remonté, il rompit le pain et il mangea. Et il parla encore longtemps, jusqu'au lever du jour. Paul n'enterre pas Éticus, il le ramène à la vie et à l'assemblée. Frères et sœurs, je me tiens devant vous pour vous dire, c'est l'heure. C'est l'heure de ton réveil. C'est l'heure pour toi de sortir de ton sommeil. Je suis venu ce matin pour réveiller l'Église vivante. C'est l'heure maintenant, car le salut est à la portée de notre main. Tu pensais pour toi que tout était fini, que Dieu t'avait oublié, que Dieu t'avait abandonné. Mais je suis venu t'apporter une parole de vie. C'est l'heure pour toi de te réveiller. C'est l'heure pour toi ce matin d'entrer dans ton salut. Ce n'est pas l'heure de ta mort, c'est parce que ton âme est encore en toi. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Vous savez, je ne vis pas simplement pour moi, mais je vis pour raconter les œuvres de l'Éternel. Parce que l'Éternel ne m'a pas encore livré jusqu'à la mort. Frères, sœurs, et vous tous qui êtes là dans ce lieu, c'est l'heure enfin, enfin de nous réveiller. Vous savez pourquoi c'est l'heure de nous réveiller? Parce que le jugement de Dieu arrive. Le jugement de Dieu arrive sur la France. Le jugement de Dieu arrive sur la France. Parce que quand les autorités font des choses contre la parole de Dieu, le jugement arrive et les cris sont montés jusqu'au ciel. Sodome et Gomorrhe est encore d'actualité. Dans Genèse 18, à partir du verset 16, alors qu'Abraham a la visite des deux anges. Et Dieu a dit, est-ce que je vais cacher à mon serviteur Abraham ce que je prévois de faire? Est-ce que Dieu nous a caché ce qu'il prévoit de faire? Non, la parole de Dieu nous dit, elle est claire, elle est nette, elle est précise et elle est amen. Et alors là, Abraham, entendant ceci, son cœur fut si troublé parce que, en pensant à Sodome et Gomorrhe, il a pensé à son neveu Lot. Abraham ne voulait pas que son neveu meure. Alors Abraham, avec la foi qu'il avait, et certainement au début, il avait un doute. Il n'osait pas parler à Dieu parce qu'il savait que le jugement, quoi qu'il arrive, allait venir. Et il a dit, si simplement, si je peux me permettre, et vous pouvez lire cela et je paraphrase un petit peu à cause du temps. Il dit, si tu trouves, n'est-ce que 50 justes, est-ce que tu vas épargner le pays? Et le Seigneur a dit, si il y a 50 justes, je pardonnerai et j'épargnerai le pays.
Mais pour Abraham, 50 c'était trop. Parce que la famille de Lot, ce n'était pas 50 personnes. Alors, il a dit, si je trouve grâce à toi, à tes yeux, permets-moi encore une requête. Est-ce que s'il y a 40 justes, tu vas les sauver? Le Seigneur lui répond, s'il y a 40, oui, je vais épargner le pays. Mais Abraham, ce n'était pas suffisant. Parce qu'il savait que la famille de Lot, c'était moins de 40. Et il a continué, est-ce que s'il y a 30, tu vas épargner? Oui, je vais épargner. Est-ce qu'il y en a 20? Oui, je vais épargner. Et Dieu, et s'il n'y a que 10 personnes? Et Dieu, est-ce que s'il n'y a que ma famille? Est-ce que tu vas épargner? Le Seigneur a dit, oui, j'épargnerai. Et là, ils sont partis. Et Abraham est parti. Et quand les deux anges sont entrés dans Sodome et Gomorre, la Bible nous dit que Lot les a pris et les a amenés dans sa maison. Et les a demandé de rester là jusqu'à l'aube. Mais ils ont dit, mais tu sais quoi, nous allons détruire cette ville. Mais tu sais, toi et ta famille, prenez vos bagages et partez loin d'ici avant que Dieu ne détruise cette ville. Et nous connaissons la suite de cette histoire. Les gendres de Lot n'ont pas cru. Ils pensaient que c'était une blague. Le jugement de Dieu, frères et sœurs, ce n'est pas une blague. Ce n'est pas une blague. Nous vivons dans un monde où nous sommes si paisibles. On est dans un bon pays. Et Ticus veut dire être heureux, être chanceux. Nous sommes dans un bon pays. Nous mangeons à notre faim. Nous travaillons. Nous sommes bien en France. Tout pour être paisible. Mais on oublie que le jugement arrive sur ce pays. Lot ignorait que la grâce lui a été faite à cause. Parce que Abraham est sorti de son état paisible. Abraham était sorti de ses affaires. Abraham était sorti de son travail. Parce qu'il savait que le pays allait être détruit. Parce qu'il savait que la ville allait être détruite. Et parce qu'il savait qu'il avait son frère, qu'il avait son neveu qui était dans ce lieu. Alors Abraham est sorti de son sommeil spirituel et il s'est tenu à la brèche entre Dieu et le jugement. Ézéchiel 22:30. Je cherche parmi eux des hommes qui élèvent un mur. N'avons-nous pas entendu dimanche dernier la prédication là-dessus? Qui élèvent un mur et qui se tiennent à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne détruise pas. Et ce qui est regrettable dans ce verset, c'est la fin. Le Créateur du ciel et de la terre, c'est encore lui qui nous cherche. C'est encore lui qui nous appelle. Mais il ne trouve personne. Il trouve personne. Ne pensez pas que nous allons échapper au jugement si on ne se tient pas à la brèche. Le Seigneur m'a montré combien Satan
nous avait endormis par la distraction. Nous sommes si occupés à faire telle chose dans la maison. J'ai souvent entendu ceci, on reconnaît la popularité d'un pasteur le dimanche parce que l'attente, elle est grande. Mais la popularité de Dieu, le jeudi quand il y a la prière. Je ne me tiens pas ici pour juger qui que ce soit, je me sens le premier. Je vous dis, pasteur, quand vous avez posé vos mains sur moi, j'ai senti une si grande tristesse de Dieu. Frères, sœurs, il est temps pour nous de nous réveiller. Nous avons commencé l'année par le jeûne et la prière, et qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce la prière est réservée pour nous que simplement le premier mois de janvier? Et après, nos activités prennent le dessus. Frères, sœurs, nous devons nous tenir pour notre pays. Moi, j'ai tant de familles qui sont dehors. Nous avons des amis qui sont dehors. Nous avons des frères et des sœurs qui sont dehors. Le jugement de Dieu approche. Le jugement de Dieu approche. Le jugement de Dieu approche. C'est l'heure pour nous de nous réveiller. On se réveille de notre sommeil pour nous tenir à la brèche et pour intercéder pour la France. Oh Seigneur, s'il y avait quelque juste dans ce pays, est-ce que tu l'épargnerais? Dieu nous cherche ce matin. Dieu nous cherche, qui que nous soyons dans ce lieu. Et il nous appelle à sortir de notre sommeil spirituel et à nous tenir à la brèche. Je ne veux pas être là simplement physiquement, être mort spirituellement, mais je veux être là physiquement et spirituellement. Je veux me tenir à la brèche. Je veux me tenir devant Dieu. Et je veux intercéder. Vous savez, et je vais terminer avec ceci. Tout ce que nous faisons sans la prière, et même pour Dieu, ce n'est que du vent. En nous levant. Je sais que ce n'est pas un message qui nous fait danser dans tous les sens. Et pour être très honnête avec vous, j'ai lutté avec Dieu. Jusqu'à hier soir, j'essayais dans mon esprit de trouver un autre message, quelque chose qui allait nous réjouir, nous encourager. Et la parole de Dieu nous encourage ce matin avec ce message. Le Seigneur m'a dit, tu prêches ce message parce que mon église doit se réveiller dans la prière. Je sais que nous sommes pris dans nos activités. Je sais que nous avons beaucoup de choses à faire. Nous sommes si occupés. Et moi, le premier, on court du lundi au dimanche. Il y a tant de choses à faire. Mais quand c'est l'heure de la prière, c'est pas simplement parce que c'est le jeudi, c'est une habitude. Seigneur, que le feu brûle en moi. Que le désir de voir des hommes, des femmes sauvées brûle en moi, Seigneur. C'est l'heure enfin de nous réveiller. Sœur Nova qui nous encourage tout le temps. Sans la prière, on ne peut rien faire. Et nous pensons souvent, c'est parce que nous allons prier 5 minutes avant d'exercer notre ministère que tout va être fait.
réveille-toi. Etychus, réveille-toi avant qu'il soit trop tard. Oh, Etychus, réveille-toi avant de tomber. Car le salut est plus proche de toi que lorsque tu avais cru. Dans Lamentation 3:40, alors que le peuple d'Israël s'était complètement éloigné de Dieu, et Jérémie était en train de pleurer pour son peuple, et il a dit ceci: recherchons nos voies, sondons-les et retournons à l'Éternel. Alléluia. J'aimerais inviter l'assemblée. S'il vous plaît, un maximum, sortez de vos rangs et venez à l'autel aujourd'hui. Venez à l'autel et cherchez Dieu. Oh, Etychus, oh, Etychus, réveille-toi. Qu'est-ce qui a pris notre zèle? Qu'est-ce qui a pris notre enthousiasme? Oh, je suis devenu trop vieux. Oh, j'ai tant de problèmes. C'est l'heure, Etychus.